dans Bach, il y a la profondeur, en fait, il y a une architecture, une construction incroyable. Par moments, il y a la légèreté, il y a des très belles mélodies. Et puis, c'est un contrepoint très, très savant parce que entre la voix du violon et chaque main du clavecin, donc c'est un contrepoint à trois voix, c'est des sonates à trois voix en réalité, jouées par deux musiciens. Moi, j'ai tendance toujours à dire il y a Bach et les autres. Bach, c'est vraiment à écouter et à jouer. C'est une expérience toujours extraordinaire. En plus, c'est peut-être la musique la plus, en plus du Riemann, la plus forte en émotion. Parce que cet homme était capable de décrire tout ce qui est possible de ressentir un être humain sur cette terre. Et c'est absolument fantastique. Je suis passionné de musique baroque depuis plus de 30 ans. Voilà, donc j'ai quelques références, y compris pour les sonates de Bach. C'était d'un très très bon niveau. Eh bien, j'étais très agréablement surprise. La violoniste est merveilleuse, je trouve. Et ça a été un moment très émouvant, certaines pièces. Et puis, bon, ben aussi, avec le clavecin, je trouve que... Non, j'étais... C'est une journée extraordinaire. C'était super. Il y avait beaucoup de monde. Et très, très accueillant, très, très chaleureux, très attentif. Nous étions très contents et en plus j'ai trouvé, en tout cas personnellement, l'acoustique superbe dans cette église.